présent un maître de la bande dessinée belge qui est d'un ton peut-être différent pour une bonne part des deux maîtres classiques que j'ai pu évoquer jusque-là, c'est-à-dire Hergé et Edgar P. Jacobs. Il s'agit d'un garçon qui a un prénom et dont le nom dessiné n'est pas un pseudonyme. C'est André Franquin, qu'on pourrait qualifier de maître absolu du rire dessiné, qui est un personnage touchant, assez complexe malgré les apparences, et qui est une autre génération, bien que liée lui aussi à Hergé, de manière un peu moins nette que l'a été Edgar P. Jacobs, mais liée à ce milieu des maîtres belges de la bande dessinée qu'il faut peut-être présenter et esquisser aussi, et qui ne se limite pas à ce que l'on a qualifié parfois en résumant un peu vite, et ce dont j'ai déjà parlé, de la fameuse ligne claire. Alors André Franquin est né comme Hergé dans une partie de Bruxelles tout à fait particulière qui est Etterbeek, mais il est né en janvier 1924, c'est-à-dire qu'il a pratiquement une génération d'écart avec Edgar P. Jacobs et avec Hergé, l'un étant, vous le savez, né en 1904, Hergé en 1907, et donc Franquin en 1924. Il mourra dans le sud de la France, à Saint-Laurent-du-Var, en janvier 1997, à la suite d'un soudain infarctus. Au fond, comme aurait pu le dire l'un de ses personnages fétiches, c'est-à-dire le merveilleux Gaston Lagaffe, Franquin s'est peut-être endormi en sursaut. Et c'est un personnage qui a, dans le démarrage de sa vie, le même côté un peu terne, la même ambiance bourgeoise, petite bourgeoisie, attachante parce que ses parents l'aiment beaucoup, mais une enfance solitaire, assez triste. Cette grisaille dont parlait Hergé et ce côté familial modeste qui est celui aussi d'Edgar P. Jacobs. Alors, si le père d'Edgar P. Jacobs était sergent de ville, si celui de Hergé était un employé de confection, le père de Franquin est un employé de banque. Et Franquin va être un enfant unique. Il ne va pas avoir de frères et sœurs, il ne va pas avoir de cousins. Il aura certes des oncles, mais c'est à peu près tout. Des oncles parfois originaux d'ailleurs. L'un d'eux lui offrira à 5 ans un tableau noir pour dessiner. Et il y a là un épisode assez joli. Il va se mettre à dessiner un animal respirant une fleur et son père trouvera le dessin si joli, si réussi et si touchant qu'il va partir avec le tableau sous le bras pour le faire photographier par un ami photographe pour pouvoir garder le cliché du dessin de son fils parce qu'il le trouve très réussi. Et il est vrai que Franquin manifeste très tôt, vraiment très tôt, une aptitude et des goûts pour le dessin qui sont absolument remarquables. Il vit entouré d'animaux dans la maison de ses parents, alors il a une passion pour les animaux, il y a des tortues, il y a un peu de tout. Et en somme, on comprend mieux le bestiaire animalier, parfois singulier, qui sera celui de Gaston Lagaffe, mais qui sera aussi celui de Spirou et Fantasio quelquefois, et même peut-être, pourquoi pas, le fameux marsupilami. C'est que, en effet, Franquin s'ennuie. Alors il s'ennuie avec l'affection de ses parents, ça incontestablement, il y est très attaché, et eux aussi. Mais il s'ennuie, il est tout seul, alors il dessine, il se passionne pour les animaux, il essaie de se raconter des histoires, de se distraire. Et il dira de sa famille que c'était une famille où finalement on ne faisait pas beaucoup d'humour et où l'on riait peu, c'est tout dire. Toute sa jeunesse, toute son enfance passera dans ce climat avec cette velléité, cette volonté même de plus en plus ancrée de vouloir faire rire
et de réussir à devenir lui-même rieur et à faire rire les autres. Alors, ça viendra très vite, et s'il n'a pas une formation, disons, aussi classique, remarquable et poussée, et même un peu académique, que celle d'Edgar P. Jacobs, il connaît Franquin la même formation à l'Institut Saint-Boniface, au Collège Saint-Boniface catholique de Bruxelles, qu'a connu Hergé. Il passe aussi par l'Académie elle-même catholique de dessin Saint-Luc, où le nu féminin est interdit, mais il y a quand même des nus masculins, où il apprend une formation très classique, mais ce sont les élèves qui posent, donc c'est très, très précis, très cadré, très codifié. Il a une formation très classique de lettrage byzantin, de chapiteaux, d'agiographie. Alors il dira qu'il s'y est ennuyé, certes, mais il dira aussi que du point de vue technique, ça lui a appris des tas de choses, et qu'il ne renie pas ce moment-là. Hergé, lui, avait passé à l'Académie Saint-Luc, dit-il, à peu près une journée, une soirée, pour dessiner des chapiteaux médiévaux. Il s'y était ennuyé comme un rat mort, et il en était parti. Quant à Franquin, ça durera un peu plus longtemps. C'est d'ailleurs par l'un des anciens élèves de l'Académie Saint-Luc, un grand dessinateur qui sera lié d'ailleurs aussi au journal de Tintin et puis à Spirou aussi, qui est Eddie Pape, que Franquin va trouver ses premières formes de développement de métier, et non pas dans le, comment dire, dans le dessin et dans la bande dessinée proprement dite, mais dans un ensemble qui est plutôt rare en Europe à ce moment-là, sauf peut-être en France un peu, qui est le monde de l'animation, bien que ce soit en partie d'origine française l'animation, du reste. Il faut s'en souvenir, ça n'est pas qu'américain et lié à Walt Disney. Il va débuter sa carrière à 20 ans, en 1944, dans un studio d'animation belge, qui ne va pas durer très longtemps parce que c'est la guerre, la libération. Il va échapper grâce à cela quand même à l'équivalent belge du STO, c'est-à-dire du service du travail obligatoire. Et donc il va échapper à une mainmise allemande, à proprement parler sur sa vie et sa jeunesse. Mais c'est le rôle supposé d'un des membres associés de ce studio qu'on soupçonne de collaboration, ce qui ne sera peut-être pas vrai, mais enfin ça lui jouera un tour, qui va faire écrouler ce studio belge d'animation. Et puis Franquin cherche du travail. Bon, évidemment, la libération étant venue, la guerre étant terminée, il a besoin de manger, de vivre. Et c'est avec l'un de ses jeunes amis, le futur Maurice, créateur de Lucky Luke, c'est-à-dire Maurice de Bevere, qu'il va entrer dans un certain nombre de petites publications et puis peu à peu intégrer ce qui deviendra plus tard le journal de Spirou, où il débute courant 1944 dans de petites illustrations d'un roman à épisodes, et puis où il va devenir l'un des disciples, en somme, mais disciples naturels, disciples sans vraiment être soumis à une règle de fer ou à une forme d'esclavagisme quelconque, disciple d'un personnage tout à fait considérable, qui est Joseph Gilin, qui est un illustrateur fabuleux, qui signe JG, et qui est un peu bêtement oublié aujourd'hui, qui est né en 1914, mort en 1980, et qui a formé vraiment toute une génération de dessinateurs, qui est, lui, marqué en un sens par le style de Hergé qu'il a beaucoup lu, mais dont il a choisi de se séparer, en somme, du point de vue du dessin, et qui propose une autre forme de dessin de la bande dessinée belge. En fait, on peut résumer, comme l'a fait un jour Jacques Terpan, dessinateur français remarquable, la chose en disant, en Belgique, il y a deux écoles. Il y a le journal de Tintin, et ce qu'on a appelé la ligne claire, et il y a autre chose qui est du belge pur, du belge classique,
qui n'est pas résumable en lignes ou en considérations, mais qui est un dessin fouillé, dépouillé, précis, tout à fait remarquable, parfois très riche, avec un sens du tracé et des couleurs assez étonnant, qui est au fond le dessin type Jigé et en partie celui moins classique et tout aussi belge, à trogne sympathique et un peu ronde et à nez un peu épais ou à nez un peu caricaturaux, qui est celui du journal de Spirou, qui fait coïncider le style Jigé et ce qui va devenir en somme aussi l'autre style, celui de Gaston Lagaffe et de quelques autres figures, le style de Franquin. Et il se trouve que Jigé, c'est le continuateur d'une série qui avait débuté sous l'impulsion de Rob Vell, dessinateur français, qui avait travaillé pour la Compagnie Générale Transatlantique, et pour les décors et pour les dessins des publications, etc., et les décors des paquebots, et qui se souvenait, à la demande d'un membre de la famille Dupuis, qui créait des hebdomadaires et des journaux pour la jeunesse, qui était un industriel belge, et qui avait demandé à Rob Vell de créer un petit personnage en 1938. Et Rob Vell avait eu l'idée, se souvenant de cette fameuse compagnie générale transatlantique, création des frères Perrer sous le Second Empire et qui allait durer un siècle, jusque dans les années 50-60 en France, et qui se souvenait notamment des grooms qui apportaient leurs messages ou un certain nombre de choses aux passagers à bord des bateaux avant le départ et pendant les traversées, et notamment des tenues d'un paquebot qui était l'Île de France, qui était des grooms en tenue rouge. Et c'est ainsi qu'est né, sous la plume de Rob Vell en 1938 et jusqu'au fond les débuts de la guerre, le fameux personnage du groom Spirou. Il se trouve que Gilin, Joseph Gilin, Jigé, est devenu le continuateur pendant plusieurs années de Rob Vell et a continué et dynamisé la série Spirou. Or, en 1946, Franquin a 22 ans, il est déjà un dessinateur consommé, précis, mais il n'a pas publié encore d'album ou d'histoire à titre personnel. Il a publié dans des journaux et dans le journal Spirou un certain nombre de petites histoires qui ont beaucoup intéressé tout le monde. Gilin a remarqué le trait et le talent instinctivement de Franquin. Il l'a aussi formé dans une espèce de phalanstère personnel installé par ses soins à Waterloo, où ont été formés Tibet, Will, où est formé aussi Maurice, mais une espèce d'atelier sympathique où Jigé finalement fait régner une ambiance de camaraderie, bon enfant, pas du tout le style parfois un peu professionnel, sympathique, mais un peu serré du journal de Tintin. Un phalanstère personnel, une sorte d'atelier, pas du tout un studio non plus, purement technique, où il a formé ces jeunes gens, où il vit avec eux sympathiquement, presque familialement, au fond il les adopte, quoi. Or, il est déjà père de plusieurs enfants, et il va proposer à Franquin, en 1946, parce qu'il veut se consacrer à des séries qu'il a développées aussi, dont un grand cycle sur Jean Bosco, Don Bosco, c'est un personnage, un saint célèbre, et un bienheureux illustre, créateur d'écoles au XIXe siècle et de multiples relais pour la jeunesse. Et il se trouve que Jigé est un biographe, dessineur et dessinateur tout à fait remarquable de certaines grandes figures comme ça. Alors c'est une de ses spécialités, ça. Il fait des biographies historiques et des biographies instructives pour les enfants, et ce sont des albums vraiment remarquables. Et il a envie de se consacrer à cette œuvre qu'il juge ambitieuse et nécessaire. Et donc, il a plusieurs séries dans le journal de Spirou, dont il est le vrai pilier, presque l'animateur artistique presque complet.
il est très content de trouver à la fois le jeune Maurice, le jeune Franquin et oui, les Tibet et quelques autres, à qui passer le relais de quelques-uns de ses bébés et de quelques-unes de ses séries. Mais la série titre pour le journal de Spirou, c'est bien sûr le Groom, le fameux Spirou. Et il va offrir ce cadeau-là à 22 ans à Franquin, qui va être quand même un peu catastrophé, parce qu'il se trouve qu'il n'a jamais lu une seule case de Roppwell. Il avait très peu vu le travail de Gilin sur Spirou. Donc il arrive avec un esprit pratiquement vierge, et au milieu d'une histoire que Gilin interrompt et qu'il doit reprendre, lui, d'une planche à l'autre, en 1946, dans le journal, de manière à ce que la césure ne se voit pas trop ou ne se voit pas. Et il y arrive. Et puis il y a un moment où il se dit, bon, Spirou, ça commence à m'embêter un peu, ça dure comme ça quelques années. Et puis il essaie de refiler le bébé à l'un de ses amis, lui aussi. Et Gilin lui dit, non, 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 il faut continuer, franchement, tu peux y arriver parce qu'il est découragé par certains aspects, il croit qu'il va écrire et dessiner ça tout le temps, et qu'il n'arrivera pas à insuffler un souffle un peu original, quelque chose de neuf et d'assez drôlatique dans la série. Et Gilin lui dit, mais tu y arriveras, il le pousse à se former davantage, il le forme lui-même et le met en confiance, il a déjà donc un côté un peu plein de doutes et un peu déprimé, Franquin, il est encore tout jeune, mais quelquefois il doute beaucoup. Et il va tenir en fait Spirou pendant à peu près 20 ans, dans une série d'albums tout à fait remarquables, et dans une série de plus en plus drôlatique, de plus en plus originale, de plus en plus peuplée de personnages loufoques, et avec aussi un tour de temps en temps un peu politique, avec la dénonciation. Notamment dans Le Dictateur et le Champignon, de certains délires dictatoriaux de différents pays sud-américains ou autres, avec aussi la hantise de l'atome et de la guerre atomique. Alors ça lui vient aussi en partie de Gilin. C'est-à-dire qu'en 1947, 48, 49 et presque jusqu'au début de 1950, Gilin est absolument hanté par le risque d'une guerre atomique en Europe. Et veut se mettre à l'abri un peu avec ses enfants, quitte à trouver une seconde carrière tout en restant lié à la Belgique et à Spirou, en Amérique. Et il part avec ses trois enfants, sa femme, et il embarque avec lui le jeune Maurice, créateur du futur Lucky Luke, et le jeune Franquin. Et ils partent tous. Alors ils vont du côté de New York, ensuite du côté de la Californie. Ils espèrent pour certains d'entre eux être recrutés chez Walt Disney, mais on leur fait comprendre qu'ils ont eu tort de quitter New York pour la Californie parce que le climat de la bande dessinée américaine, c'est à New York que ça se joue. Franquin est d'ailleurs très marqué, comme ces jeunes camarades de l'époque, par la bande dessinée américaine et le dessin animé à l'américaine. Il découvrira Tex Avery un peu plus tard, ou à peu près à ce moment-là, mais il a déjà beaucoup lu toute la bande dessinée américaine traditionnelle depuis la fin du 19e siècle jusqu'à Flash Gordon et à quelques autres illustrateurs remarquables de sa période. Et il est très marqué par tout ça. Il est très marqué aussi par le cinéma, le burlesque. Ça, c'est une tendance qu'on trouve aussi chez Hergé, moins chez Edgar P. Jacobs, qui a un sens cinématographique plus inquiet, qui est plus marqué par un personnage comme Fritz Lang et certains des films fantastiques de Fritz Lang, ou des films policiers et sociaux. Je pense notamment à M. le Maudit, qui a inspiré la marque jaune. Et il est évident que Franquin, baignant dans ce climat américain, ne s'y trouve pas totalement à l'aise parce que les liaisons avec la Belgique sont difficiles. Alors il envoie des planches de Spirou de plus en plus difficilement. Une partie de ses malles sont bloquées à la frontière mexicaine, bloquées par les douanes américaines à différents moments aussi.
Ils vont au Mexique avec Jigé et Maurice. Alors Maurice restera lui davantage aux États-Unis, Jigé aussi, et puis Franquin lui finira par rejoindre la Belgique, d'abord parce qu'il tient aussi à y retrouver sa future femme, qu'il soutiendra beaucoup, longuement, tout le long de sa carrière, et puis parce qu'il veut travailler véritablement, et donc il entre, il reste au sein de Spirou, mais il essaie à plusieurs moments de quitter un peu la série des aventures de Spirou et de Fantasio. Alors il peuple la série de personnages nouveaux, et notamment pour la première fois d'une femme, parce que aussi bien pour Hergé que pour Black et Mortimer, le personnage féminin, c'est souvent rare, hein. Il faut bien le dire. Chez Franquin, ça prend une tournure non pas sérieuse, mais une tournure ironique, d'une, en somme, comme l'ont dit un certain nombre d'observateurs de l'œuvre de Franquin, une sorte de proto-féministe avant l'heure. C'est en 1952 l'apparition dans les pages de Spirou d'une petite bonne femme absolument têtue, avec laquelle Fantasio se fâche souvent, avec laquelle Spirou essaie de fuir quand ça barde. C'est une journaliste étrange qui fait un reportage animalier qui donnera naissance au marsupilami d'ailleurs, et qui est la fameuse Sécotine. Alors Sécotine, elle est rigolote, elle est drôlatique, elle est féminine, elle est féministe, elle est un peu agressive par certains côtés, elle a des côtés déjantés tout à fait comiques, et elle a un nom de pot de colle. Bon, il faut quand même le dire. Mais c'est une forme ironique tout à fait. Seulement, à l'époque, dans la presse enfantine de la période, ou dans la presse pour la jeunesse, c'est quand même rare, les personnages féminins. De ce point de vue-là, en 52, c'est une trouvaille. Alors, au fur et à mesure, il va développer Spirou. Il va adjoindre Spip, le fameux petit écureuil. Il va créer tout un bestiaire animalier. Il va ensuite, s'inspirant de certaines régions françaises, et puis de petits coins de Belgique, inscrire la série dans un cadre bucolique, un peu original et un peu fêlé, qui est et en même temps très détaillé, très précis du point de vue du paysage, qui est une partie du bocage du nord de la France, bon, et avec des rues à la française et des rues, des petites maisons d'ardoise et des petites rues et des chemins particuliers. C'est Champignac en Cambrousse, le cadre essentiel d'une bonne partie des aventures de Spirou et Fantasio. Ça vient aussi d'une idée de scénario du frère de Joseph Gilin, qui est Henri Gilin, qui est aussi un écrivain et un scénariste, qui signait notamment Henri d'Arc et qui a proposé à Franquin, dans une période de doute pour le maintien de la série de Spirou, un scénario où on trouve l'évocation assez poussée du comte de Champignac et de ses champignons. Le comte de Champignac, dans l'esprit de Franquin, c'est une sorte de successeur ou de prolongation du fameux professeur Trifon Tournesol de Hergé et des aventures de Tintin, mais un personnage attachant, vieil aristocrate un peu fondu, qui a été marié, qui a des expressions absolument délicieuses, qui a une fille, qui a une vie de famille tout à fait comique, et qui ne passe son temps par humanisme qu'à faire des inventions de plus en plus bricoleuses, qui préfigurent certaines gaffes de Gaston Lagaffe, d'ailleurs, faut bien le dire, mais qui ont une portée géopolitique parfois inattendue. Alors, il y a toujours dans l'œuvre de Franquin, dans Spirou et Fantasio, qu'il va poursuivre à peu près jusque dans le courant des années 60, une veine comique. Une veine comique qui peut être aussi une veine politiquement plus critique, notamment justement lorsqu'il s'agit de dépeindre un savant fou, Zorgloub, ou des personnages tout à fait dictatoriaux mais ridicules. Alors c'est un certain nombre d'albums, un en particulier avec des armes qui fondent
sous l'impulsion d'une matière particulière, parce que, à la différence de partie de sa génération, Franquin a mal vécu, certes, la guerre, mais c'est un pacifiste né. Hergé va devenir un humaniste véritable, marqué par l'écologie et par la paix, mais c'est une longue évolution de son œuvre. C'est un peu plus sensible, sous une forme plus angoissée, chez Edgar P. Jacobs. Il y a une hantise de la guerre atomique, il y a une hantise de la disparition de la Belgique et d'une certaine indépendance d'une forme démocratique qui le marque. Chez Franquin, c'est à la fois plus léger, tout aussi ancré, parfaitement assumé. Il est antimilitariste à tout craint. Bon. il ne le cachera pas d'ailleurs, ni dans les évolutions ultimes de Gaston Lagaffe, même dans les premiers gags, ni dans l'évolution plus noire d'une partie de son humour, notamment les idées noires, qui marqueront des temps de déprime chez lui, mais qui auront une forme d'humour un peu macabre et particulièrement précis, et qui sont d'un antimilitarisme forcené, bon, et tout à fait détourné et déjanté d'une manière très originale. Mais chez Franquin, il y a donc une dimension à la fois très sérieuse et très professionnelle de son métier, vraiment le sens du dessin, le sens du rythme, le sens des couleurs aussi, des premiers albums de Spirou qu'il met en place à partir de 1948. Son premier album publié, c'est un Spirou en 1948, mais ce sont des planches du journal de Tintin qui datent de 2 ou 3 ans. Et progressivement, il va non pas se dégager de Spirou, mais il se trouve que c'est une notion sur laquelle on aurait pu insister à la fois pour Hergé et pour Edgar P. Jacobs. Il y a une dimension très importante dans la bande dessinée belge de l'époque. Je vous ai dit, il y a 2 écoles, celle de Spirou et celle du journal de Tintin. Mais le développement de la bande dessinée, aussi bien sur les marchés français et européens qu'en Belgique même, ne serait pas explicable, ni ne pourrait être bien comprise, cette évolution et ce développement-là, si ça ne s'était pas associé à la presse. Je veux dire que ce qui porte la bande dessinée belge, ce qui à la fois en fait son prestige en vente et peut-être le fait aussi qu'on juge ça avec moins de sérieux que des œuvres plus artistiques non dessinées, c'est que c'est la presse qui porte, des journaux spécialisés qui portent la bande dessinée. C'est vrai pour les versions françaises du journal de Mickey, c'est vrai pour le journal de Tintin, c'est vrai qui connaît des versions belges et françaises, c'est vrai pour le journal de Spirou qui connaît la même évolution belge et française, et c'est vrai plus tard pour un journal absolument fondamental qui a révolutionné, alors là aussi, l'impact et le rôle de la bande dessinée, qui est Pilote, sous la houlette de René Goscinny, qui est à la fois le scénariste avec Maurice au dessin de Lucky Luke et le créateur et le scénariste d'Astérix. Et Goscinny a une vision très exigeante et très particulière de son métier et du rôle de la presse dans la bande dessinée. Souci qu'on trouve aussi chez Spirou et chez Tintin, étant entendu aussi que le côté déjanté ou un peu plus sombre de Franquin ne pouvait pas se développer tant qu'il s'occupait de Spirou, parce qu'il y avait aussi une loi de 1949 qui régentait très particulièrement la censure dans le domaine des publications de jeunesse et en particulier dans la bande dessinée. Censure qui a parfois visé Edgar P. Jacobs, trouvant par exemple en France et en Belgique d'une hideur absolue, disait-on, les dessins d'un de ses albums ou trop violents certains aspects. C'est une dimension qui oblige aussi Hergé à refuser quelquefois des publications ou des idées plus violentes dans le journal de Tintin. Mais chez Franquin, ça se traduit par une évolution singulière, qui est, comme chez Hergé d'ailleurs, une forme de plus en plus dépressive. Pourquoi ? Parce que cette presse spécialisée, qui est tout à fait remarquable,
on ne peut pas ne pas la considérer comme étant parfois, au fond, le travail du forçat. C'est-à-dire que, au fond, les artistes de la bande dessinée, scénaristes ou dessinateurs, sont quasiment des ouvriers. Je veux dire par là qu'ils ont certes des contrats, ils ont des... encore que Franquin a des contrats album par album, principalement. Il y aura une brouille, d'ailleurs, avec le groupe Dupuis et le journal de Spirou, qui l'incitera à aller quelque temps et à créer là-bas une série autre, qui est Modeste et Pompon, critique et en même temps passion du design et critique de la modernité, avec un petit couple charmant, au journal de Tintin. Mais c'est en 55, ça. Mais Spirou, ça va le mener quand même à un surmenage absolu, et donc à une forme dépressive, déjà, qui est à peu près comparable et à peu près situable dans le même temps que la grande dépression de 1959 qui aboutit chez Hergé à Tintin au Tibet. Alors lui se guérit par Tintin au Tibet et Franquin se guérit progressivement dès 57 par la création d'un petit personnage qui n'a l'air de rien dans le journal de Spirou, et qui, au fond, est là pour agrémenter de gags réguliers un personnage sans emploi qui travaille au sein de la rédaction de Spirou. C'est l'acte de naissance de Gaston Lagaffe, qui commence tout à fait propre, avec un petit costume, une petite chemise blanche et un nœud papillon, et qui, très progressivement, va devenir ce personnage à espadrilles et à chandail vert, un peu négligé, ce paresseux contrarié, en somme, ce que Franquin se définit aussi parfois comme étant lui aussi un paresseux contrarié. Et il va progressivement, après 1957, et en gros à partir de 1966-68, s'adjoindre aussi, non pas un studio comme Hergé avec des collaborateurs de plus en plus importants, mais un atelier de petits camarades, un atelier de brillants dessinateurs ou de scénaristes imaginatifs, ou les deux à la fois, ou de coloristes et de décorateurs. Dans cet atelier entreront Roba, le futur créateur de Boule et Bill, qui est dans un ton tout à fait charmant lui aussi, dans la même époque que Modeste et Pompon. Ou un autre qu'on appelle JDM, et JDM qui aidera beaucoup Franquin sur les premières centaines de gags de Gaston Lagaffe, au point que d'ailleurs les albums seront co-signés. Non pas simplement indiqués à l'intérieur comme collaborateurs, mais co-signés par les deux. 400 sur à peu près un peu moins de 1000 gaffes de Gaston Lagaffe en tout, c'est quand même pas tout à fait rien. Et JDM, il a un nom particulier en dehors de ce nom de plume. Son vrai nom, c'est Jean de Mesmaeker. De Mesmaeker, c'est bien sûr le personnage de l'édition ou l'industrie, on ne sait pas trop exactement. Cette espèce d'industriel tonitruant qui, tout au long des aventures de Gaston Lagaffe, et qui ne réussit que deux fois, sous l'impulsion de Galston d'ailleurs, lui-même, à signer les fameux contrats avec les éditions Dupuis, des contrats qui finissent en général pulvérisés, transformés en confettis, passés à la broyeuse, bousillés par la pluie, désintégrés chimiquement, enfin j'en passe, qui donnent plusieurs centaines de gags de destruction massive inspirée par Gaston Lagaffe. Et le monsieur Dupuis, il existe lui aussi. C'est le très charmant, très accueillant et très industriel, sérieux, catholique, mais néanmoins goguenard et bon enfant avec son personnel, qui est le fameux Charles Dupuis, né en 1918, mort en 1904, qui a succédé à son père, le fameux Jean, et qui avait pris sous la houlette vraiment le journal de Spirou, qui avait fait des éditions Dupuis quelque chose de très sérieux et de très solide dans la bande dessinée belge, bien, qui était adoré par son personnel, bon, et qui s'amusait beaucoup tout en restant très sérieux. Et c'est ce climat un peu d'une bande de copains, d'une bande un peu
fondue, mais d'une bande originale qui règne dans la rédaction du journal de Spirou. Et c'est ce climat qui permet, dans ces temps de déprime, de dépression, de pouvoir compter pour Franquin sur quelques amis fidèles qui lui font quelques commandes, qui ne le laissent jamais tomber. Et il sort progressivement de différentes phases dépressives grâce à ce personnage aussi de Gaston qui le stimule. Mais même Gaston, à un moment, il envisage de l'abandonner et de le confier à un de ses collaborateurs, JDM, justement. Et puis, il y renonce et il reste le patron de Gaston parce qu'il se dit « Spirou, j'en ai hérité ». Et ça a fini par m'embêter un peu, mais Gaston, je l'ai créé, c'est ma petite bête à moi. Et en 1968, à partir de 68, il va dessiner Gaston véritablement, définitivement en solo, pour une série d'albums tous plus originaux, tous plus fondus les uns que les autres. Et il se séparera de Spirou au point d'ailleurs de faire disparaître à ce moment-là Fantasio des aventures de Gaston Lagaffe, considérant que la série étant reprise grâce à Fournier qui l'a poussé dedans, elles ne peuvent pas cohabiter, c'est-à-dire que contrairement aux séries américaines de télévision, il ne peut pas y avoir de personnages venant d'une série à l'autre dans le même journal. Donc il laisse à Fournier Spirou et Fantasio, il le dépannera de temps en temps, comme Jugé l'a dépanné quand il n'avait pas d'inspiration non plus, mais il ne le reprendra pas. Tandis que Gaston, il le garde, et il va le garder de 1957 avec cette reprise en 68, jusque pratiquement au terme de sa vie et de sa carrière, puisque les derniers gags paraissent au début des années 90, donc dans le journal de Spirou toujours et en album régulièrement depuis aussi. Mais il va essayer de créer aussi à différents moments, dans ses phases de déprime et dans ses phases sortant un peu de la bande dessinée pour revenir vers l'animation. Il va aussi confier à un autre le Marsupilami, il y reviendra au Marsupilami, mais bon, ce qui l'intéresse vraiment, c'est Gaston. Et puis, la tentative, quand les phases de déprime sont trop importantes, quand le surmenage est trop lourd, aussi bien pour les albums que pour les revues, il va essayer de se consacrer à d'autres choses. Alors, il illustrera quelques romans, quelques couvertures, parce que c'est un grand lecteur, Franck, hein, il lit tout, des publications scientifiques, des romans populaires, des classiques, de tout. Il a une bibliothèque extrêmement fournie, qui est essentiellement partagée entre la Belgique et le sud de la France, mais c'est un grand lecteur, comme d'ailleurs Edgar P. Jacob, c'est un peu moins par rapport à Hergé, qui ne lisait pas tant que ça, qui comprenait tout comme une espèce d'éponge et qui absorbait son temps, mais qui ne lisait pas tant. Et donc Franquin va maintenir de bout en bout Gaston Lagaffe, et il va se repencher à la fin de sa carrière dans des tentatives de création de scénarios pour d'autres ou en collaboration avec d'autres. C'est la série Isabelle, par exemple, ou c'est qui sont les aventures d'une petite fille, ou c'est pour un autre domaine que la bande dessinée, ou lié à la bande dessinée mais débouchant vers une logique d'animation, une série de petits monstres, et puis une série de petits personnages, mais ça capotera ça au début des années 90 et il finira par y renoncer. Et enfin, il faut dire un mot quand même de la poursuite de Gaston Lagaffe, et puis aussi d'une période plus, toujours humoristique, mais plus tragique et plus sombre, qui est la période des idées noires, à la fois dans une variante du journal de Spirou, orchestrée par Charles Dupuis à la demande de Franquin, et qui sera finalement reprise par Gottlieb dans la fameuse publication de la revue Fluide Glacial. Des idées noires que Franquin va poursuivre à la fois comme dépressif, mais pour en sortir dans une forme d'humour noir et macabre très forte, jusque dans le courant des années 80. Donc ça va l'occuper un certain nombre d'années, ça. Et puis, il va prendre en 84, après une autre série de dépressions, une retraite progressive, mais il ne renoncera pas de temps en temps à donner un coup de main
au journal de Spirou, et on trouvera sa patte encore jusque dans les années 92-93. Au fond, il est mort presque à la tâche. Il est mort en 1997 d'un infarctus à Saint-Laurent-du-Var. Il laisse une œuvre absolument considérable, extrêmement prolifique, beaucoup plus abondante que celle de certains de ses maîtres précédents ou de ses inspirateurs. Et puis, il est le premier peut-être à avoir donné à la bande dessinée humoristique une dimension multiple, à la fois poétique, Gaston a des côtés tout à fait poétiques, et à la fois plus politique. Il y a de plus en plus, aussi bien dans le Gaston d'après 68, ou de l'époque de 68, ou dans les idées noires, une critique d'une forme d'institution, une critique d'un certain conservatisme. Mais en même temps, et c'est sensible dans une forme plus dégagée, il y a une angoisse à la fois passionnée pour la science et pour le développement de certains aspects technologiques de son époque. Il lisait tout du point de vue scientifique, ça le passionnait vraiment. Il avait un sens aigu du design, il avait fait beaucoup de publicité, et il a un souci très aigu de certains véhicules, notamment alors dans toutes les aventures comiques de ses personnages, Zorgloub, Spirou, Gaston et ses inénarrables tacos, ses mises au point techniques et ses créations de machines infernales. Bon, tout ça c'est très vrai, mais il y a une critique de plus en plus marquée, même dans Modeste et Pompon, et une sorte d'angoisse du couple face à la modernisation de plus en plus agressive, à l'industrialisation de plus en plus agressive. Et au fond, il reste jusqu'au fond de sa vie un petit rêveur bucolique, sensible, drôlatique, mais vraiment angoissé et inquiet de cette espèce de climat menaçant pour la Terre. Il a un côté très écologiste, et pas seulement via Gaston, mais Gaston c'est lui de ce point de vue-là. Donc c'est comparable d'ailleurs à certaines évolutions de Hergé à la fin de sa carrière aussi, mais chez Franquin il y a un humour constant même quand c'est très noir, et il y a une angoisse véritable de ce que va devenir le monde du point de vue écologique, du point de vue social, du point de vue finalement plus politique que chez certains de ses prédécesseurs. Mais en même temps ça n'est jamais pesant, jamais trop appuyé. Il y a un côté garnement passage chez Gaston qui est permanent. Et au fond, quand il meurt en 1997, donc dans le sud de la France, son œuvre est en partie derrière lui. Elle n'est pas abandonnée pour autant. On la relance d'ailleurs depuis dans l'édition, parce que beaucoup des éléments de dessin de Franquin avaient souffert de mauvaise conservation. Donc là, il y a une vraie politique relativement récente dans certaines évolutions chez Dupuis, qui a repris une partie du patrimoine. Et on réédite ça maintenant de manière beaucoup plus précise et enfin cohérente. Mais au fond, il est resté accroché à son œuvre jusqu'au bout, du moins à Gaston, et à certains aspects de petits personnages pour les enfants, dans l'animation et dans le dessin pur. Et il meurt en 1997... très peu de temps après son 73e anniversaire. Et au fond, on pourrait dire de Franquin ce que dit Gaston au détour d'une case: je me suis endormi en sursaut. Voilà, je crois, ce qu'on pouvait dire pour André Franquin, qui a donné à la bande dessinée ironique, pleine d'humour et de tendresse poétique, des lettres de noblesse au moins aussi solides que la bande dessinée réputée plus sérieuse et tout aussi valable de Hergé et d'Edgar P. Jacobs. Je vous remercie.